Welcome to Fredbear's. Yo les gars, c'est Nabet, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau fangame de Five Nights at Freddy's qui a beaucoup fait parler de lui en ce moment, là, les derniers temps là, parce qu'apparemment il fait très très peur, et donc aujourd'hui les gars, on va le tester en vidéo, c'est parti. Here we go again. What? Ah ouais, ça drop direct, hein. Putain, ah ouais. Déconne zéro, hein. Je voulais juste aller dans les settings pour voir si tout allait bien. Ah d'accord, quand même, hein. Oh putain. Ah, il est pas beau déjà, Fredbear, hein. Est-ce que j'appelle William Afton? Oh putain, on est William Afton. Donc si j'ai bien compris, il faut qu'on aille dans une genre d'usine ou je sais pas quoi. Putain. C'est quoi le délire? Ça va être un free room? C'est ça, ça m'a l'air insane, hein. Storage and Rentals. Outa. Ok. Waouh, je sais pas à quoi m'attendre, hein. Vraiment pas. Notebook update. Presse tab pour ouvrir. Appuyez sur tab pour ouvrir. Oh putain, c'est un. Oh, touche française et c'est donc un free room, incroyable. To-do list, find the storage unit. Ok. Trouver l'unité de stockage. Oh, mais le jeu est insane! Oh, putain. Un déplacement et tout, là, ça déconne pas. Hein. Nous avons déposé les clés sur l'unité, sur le bureau de devant. Ok, et où sont les clés? One eternity later. Wesh, c'est une dinguerie. Ah, putain, il est là, le bureau, d'accord. Merci. D'accord. Ouais, du coup, c'est parti, hein, let's go. Ouais, bah, je le sens très mal, hein. Oh! La blague! Salut, toi! Ça va? Ah. Bon, bah, d'accord. Monsieur, dort. Security. Oh. Scrapped. Oh, sugar. Il est grand le monsieur là. Oh. Plushies. Toutes des peluches. Trouver. Ah d'accord, ok. Maintenant, faut que je trouve tous des trucs comme ça. Donc là, la flashlight, c'est bon. Plushies. Est-ce qu'il faut que je les prenne? Non, je crois pas qu'il faut que je les prenne. Prototype head. Prototype beer. Je peux pas l'utiliser la flashlight justement. Franchement, ce serait vraiment top. Oh mon dieu. Les gars, qu'est-ce que vous faites là? Fredbear. Et Bonnie. Mon dieu. Et donc toi, t'es qui, mon gars? Foxy. C'est Foxy, ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un truc qui s'allume. Wesh, tout s'allume en fait là. Oh! Oh, wesh, 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 wesh! Non! Circus Baby! Game over! Wesh! Oh, c'était méchant. Ok, je l'ai eu. Je pense qu'il faut. Oh, ouais, bah, let's go. Ok. Ouais, chaud, chaud, chaud. Oh. J'aime pas ça. J'éteins le power. Qu'est-ce qui se passe? Wesh! Ah ouais, d'accord! Waouh, putain! Oh! Mais il y a tout un tuto! C'est des malades! Statue fonctionnelle. Ça veut dire que ces animatroniques vont pouvoir jouer. Mais c'est Bonnie, ça! J'éteins le power. Au secours. Oh! Bon. Mais il a cassé! Oh! Frère! Wesh, Bonnie, il a pas arrivé aussi vite que ça. C'est trop. Ah, elle est pas belle, Circus Baby. Oh. L'animatronique de Fredbear. Cette animatronique était l'idée d'Henri dans le cadre de la nouvelle bande de mascottes que nous étions en train de créer. Il était le premier animatronique construit en utilisant le deuxième modèle d'un squelette comme de base. Ce modèle n'a cependant pas la modification des yeux améliorée et est très sensible aux lumières vives. Il faut donc que je l'éclaire. S'il arrive, Freddy, je l'éclaire. Bonnie, qui vient de nous tuer à l'instant. On dirait les dessins, on dirait les animatroniques dans Juniors, c'est une dinguerie. Cette animatronique était mon idée comme compagnon pour Fredbear. Il s'agissait du deuxième animatronique construit en utilisant le deuxième modèle d'un squelette comme base.
Ce modèle utilise la modification oculaire améliorée pour obtenir une meilleure visibilité dans les zones éclairées, tout en sacrifiant la visibilité dans les zones plus sombres. Ça veut dire qu'il faut... Il faut pas que je l'éclaire, il faut vraiment que je reste dans le noir alors. Taille à Foxy aussi. Celui-ci est une suggestion de mon fils d'avoir une mascotte de renard dans le groupe. Foxy est le dernier animatronique construit en utilisant le deuxième modèle d'endosquelette comme base. Seul modèle à utiliser le module de jambes expérimentales. Le masque a tendance à se casser. Ça arrive. C'est qui? Mais c'est lui! Techniquement, c'est bon. C'est ça. C'était exactement ça. Reboot Ventilation. Oh! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh! Ça, grand-mère, je l'ai pas vu venir. T'as même pas idée, mon pote, comment je vais te faire chier avec ton nez, tu vas voir. Je le sens pas. Hop là, toi, je t'ai eu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus bouger la tête. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Je dois remplacer les fusibles pour rétablir le courant. Je me souviens avoir vu une boîte de fusibles à côté de la porte. Ma lampe de poche semble cassée, je vais devoir utiliser mon briquet. Je dois d'abord dévisser les verrous des fusibles. Oh, mon dieu. Ah, je suis con, j'ai juste tapé une fois. Oh, c'est pas vrai. Il pouvait quand même venir. Non, j'ai trop le seum. Je croyais que j'étais tranquille, moi, sur ce coup-là. Putain, j'ai trop le seum. Casse-toi de là. Casse-toi de là. Casse-toi de là. Voilà. Let's go. En fait, il faut vraiment qu'il fasse pas mal de lumière, à un moment donné. Puis après, au bon moment, dès qu'il fait beaucoup de lumière... Non! Oh putain. Bon, j'ai de la chance, il se casse. C'est pas passé loin. Maintenant... One eternity later. Bouge de la Freddy. Bah maintenant faut que je les revisse. Ok putain, c'était juste là. Mais en plus il avait dit que c'était à côté de la porte. Mais franchement, ils auraient pu prévenir, je pense, hein. Pas vrai? Eh les gars, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Wow. Wow wow wow. Ah ouais, c'est reparti là, comme ça, direct. Ah ouais. Bon bah vas-y, hein. Ah ouais, c'est ça recommence, ok. Attendez, il est qu'une heure du matin, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça 6 fois? Ils sont complètement crazy, man. Mon dieu. Ça va être très très long, je sens, alors si c'est comme ça. Eh ben non. Toi, je sais pas, t'es qui, hein? Ah, mais en fait, c'est genre une version ancienne de Fredbear, peut-être? Je pense que c'est y a un rapport. Oh, ben. Et dès qu'on entend plus de bruit, du coup... Oh! Dégage le gros. Il est insane le jeu. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On est bientôt à la fin du reboot Ventilation. Oh, rendors-toi, Winnie l'ourson. Non mais oh. Je pronostique qu'il y a un bonnie qui arrive avant la fin. Bah non. Il est pas venu. Parfait. Maintenant, reboot power. Ah, par contre là il vient cette fois-ci. En vrai, ça sert à rien de faire trop tôt ou de faire trop tard. Oh, ça y est, toc là. Ça sert à rien de faire trop tôt ou trop tard, tu sais, d'arrêter le power. Parce qu'au final, tu risques de te faire bouffer par plus qu'autre chose. Oh, méchant. Bon. Et en plus de ça, en vrai, ils auraient pu faire pire, hein, les développeurs. Hein. Ils auraient pu faire en sorte que ça descende quand on le fait pas. Hein. Là, ça aurait été chiant, tu vois, même. Bonnie revient. Et hop là. Tu vois, tu check tout le temps droite, gauche avant d'éteindre. Parce qu'après, du coup, tu sais que là, pendant les 10-15 prochaines secondes, tu ne pourras plus regarder avec la flashlight.
Parce que ça fait la lumière et puis Bonnie les voit. Pas de trace de Freddy. Parfait. Je guette vraiment partout, hein, on sait jamais. Ils peuvent être partout, hein, les Freddy et tout. Hein. Ils peuvent être partout. Ça se trouve même, il peut y avoir Foxy, parce qu'en vrai de vrai, Foxy n'est toujours pas arrivé. Hein. Let's go! Il a même pas eu le temps de venir, Bonnie. Attends, et là ça recommence? Oh non, t'abuses là. Le briquet, il en peut plus déjà, le pauvre, putain. Forcément, ils vont être de plus en plus actifs, hein, tout le temps, je pense. Et hop là! Dégage, Freddy. Wow! Non, mieux vaut garder du jus pour la prochaine, pour après. Parce qu'on le voit en fait là. Je crois qu'il bouge et qu'il arrive. Dans tous les cas, on l'entendra s'il vient. Et il en aura vécu des bordels, le Afton, hein, putain. KWH. What? J'avais même pas fini! On est d'accord, mec, j'avais même pas fini, hein. Hein? Bon, bref. Bon, bah écoute, bah c'est reparti, hein. Ouais, tu fais que de bouger, toi? Eh, hey, ouais, doucement, doucement, mon frère. Mais en vrai, c'est bien, mais c'est trop long comme jeu, ouais, j'attends. Si c'est comme ça pendant 6 heures, du coup, c'est franchement trop long. Ah, bah tiens. Toi, dégage. Ok. Les ventilations, c'est fait. Plus que le power. Ouais, j'en en parle, il bouge plus là depuis tout à l'heure. Regardez-le. Putain. Eh, il me regarde, hein. Hop là, Freddy là, dégage. What the fuck? Ok, donc voilà Foxy. Très bien. Maintenant, on sait à quoi il ressemble et on sait comment il marche. C'est fini, reboot. Vous me faites chier, c'est bon, j'en ai marre. Bon les gars, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, en activant la notification pour ne plus rater aucune prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Ce sera avec grand plaisir. J'attends vos retours avec impatience. Sur ce, les gars, c'est Zenabets. On se retrouve très bientôt. Ciao, les gars.